Yo tout le monde, c'est L5, j'espère que vous allez bien les potes. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, une rediffusion d'un match que j'ai fait en FUT Champions sur Eclipsia. Donc voilà, j'étais sur Eclipsia avec Aero, mon collègue streamer, et j'ai vécu un match tout simplement fou. Franchement, je pense que c'est l'un des matchs les plus fous que j'ai eu à jouer sur FUT Champions cette année. Et voilà, j'ai décidé de vous le partager parce que c'était vraiment ouf. Je pense que vous allez kiffer. Avant de commencer cette vidéo les potes, je voulais vous dire que je serai à Montpellier samedi et dimanche pour le tournoi du Montpellier eSport Show. Je crois qu'il l'appelle la e-coupe de France, quelque chose comme ça. Voilà, c'est le 25, il me semble, le 25 février 2017. Donc voilà, rendez-vous au Montpellier eSport Show pour ceux qui n'habitent pas très loin. N'hésitez pas à venir, il y aura un très très gros tournoi, on sera très nombreux, il y aura tous les streamers Eclipsia. Voilà, n'hésitez pas à venir, je compte sur vous. Bon allez, assez blablaté les potes, je vous laisse avec le match, bon visionnage. Il doit pas être mauvais lui. Coucou Ima. Il doit pas être mauvais lui. Ouais, il doit pas être mauvais, ouais. Passer en 4-1-2 mon adversaire. Oh non, c'est nain. 2-0 à la 15ème. 1 million, ma team. Moi, je perds 2-0. On va se mettre en mode remonter, les gars. C'est quoi ça? Oh là là. Je perds 3-0. Je prends bouillon là. Je prends bouillon de ouf, mais inarrêtable son Lacazette. Je passe la manette là, normalement. Normalement, on passe la manette là. Il est inarrêtable. Allez, passe 29, let's go les gars, on revient. Putain, c'était chaud. Aïe aïe. Après, mes débuts, je pouvais rien faire en fait. Et une petite lucarne sur coup franc, comme on les aime. Je peux rien faire, il remet la balle dessus. C'est n'importe quoi, putain! Mais regarde le but que je prends, je peux rien faire. Il remet la balle dessus, regarde. Ouais, c'est grave ça. Je peux rien faire. Oh là là, ça dégoûte, ce genre de but de merde là, putain. Bon, les frérots, va falloir mettre 3 buts. En une mi-temps, on y croit, on y croit. Mais il a été trop réaliste, à chaque fois il avait un joueur tout seul, genre. Il me passait même pas en fait. Ok, on y croit, c'est pas fini. Faut juste pas que t'abandonnes, parce qu'à la fin tu donnes tout. Allez les frérots, on va essayer de jouer au max. Allez les frérots, allez, 4-2. Change peut-être de compo. À 4-3-2, t'as raison. Faut tenter le tout pour le tout. Je vais mettre en 4-2-4. Y'a pas 4-2-4. Y'a pas? Non, y'a 3-4-2-1 si tu veux. Je vais mettre en 3-2. 3-4-1-2, j'aime bien.
Oh, c'est quoi cet arrêt? Putain! Tente ton glitch. Bon, elle rentre pas. Mettre attaque de folie. Les gars, je vais en prendre un si je marque pas par contre. Attaque de folie, ça va être chaud. C'est quoi ça? Allez, ah, 4-3, 86ème. Oh, let's go, allez, les gars. Allez, les gars, allez! On peut le faire, on peut le faire. Faut juste pas que t'abandonnes, parce qu'à la fin tu donnes tout. Après je suis trop. Oh merde. Oh sa mère, j'aurais peut-être pas d'occasion, il me faut vraiment une occasion, allez. Allez, maintenant. Allez, celle-là tu la rates pas, tu prends ton temps. Allez, let's go! Let's go les gars, putain! Ouh, elle est belle, elle est belle. Comeback sa mère! Je t'ai dit, c'est jamais fini frère. Comment ça c'est mort, il finit? Comment ça c'est mort, il finit? Voilà, toi, bah lui il savait que c'était pas fini. Toi t'es un bon gars, toi. Y'en a qui ont cru en moi. Y'en a qui ont cru en moi. Dernière occasion, on est venu le... au mental, exactement. Exactement. Maintenant c'est pas fini les gars. Ça va être encore plus dur maintenant je pense. En prolongue, ça va être plus simple hein. Mais quand même. Mec est bon en plus. Hein. Je l'avais prédit, t'inquiète. Moussa défenseur gauche, c'est une technique coréenne. J'ai mis défenseur gauche. What? Hey image, j'ai même pas fait gaffe, je suis repassé en... Pas grave, il va être chaud. Milieu gauche, il peut jouer, c'est bon. Il peut jouer milieu gauche, il peut jouer des... Attends, je vais lui mettre de rester derrière. J'ai même pas fait gaffe. Allez Moussa fait le taf. Putain Moussa arrière gauche. Let's go. Sauve un but. Allez Moussa arrière gauche, il m'a meilleur bail. Meilleur bail. T'as vu ce qu'il vient de me sauver là Moussa arrière gauche? Ouf. Allez les gars. C'est maintenant qu'il faut gagner. Oh le mental. Pénou là. Par contre si t'as fait ce comeback pour perdre au penalty, ça l'a. J'ai une faute, j'ai un coup franc à 3. En plus il me l'a tenté tout à l'heure, il connaît ça veut dire. J'aurais peut-être pas faire ça. J'ai un coup franc à 2 et je vais le tirer. Let's go! Let's go les gars! Coup franc à 2. Parce qu'en fait tout à l'heure il m'a fait un coup franc à 3. Du coup si je faisais coup franc à 3 il allait cramer. Enfin, faut penser les gars, faut penser à tous les petits détails au cours d'un match. Il a quitté, il a craqué. Oh là là les gars, cette victoire c'est grâce à vous les frérots, c'est grâce à vous. Ah j'ai rien, j'en reviens pas, t'es incroyable.
Enfin, c'est sûr, je vais le mettre sur ma chaîne YouTube. En tout cas, merci les gars pour votre soutien, je vous jure. Ça m'a grave porté. Oh là 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 là. Moussa il était chaud. Moussa il était chaud. Ah, ceux qui commençaient à parler, les potes. Ceux qui commençaient à parler quand je parlais 3-0. Au final, ça a fini en rage quitte. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu, si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un énorme pouce bleu pour le montage, pour la remontada assez exceptionnelle, tout était au mental, comme vous avez pu le voir les gars, tout est dans le mental, faut jamais lâcher, même quand vous perdez 3-0, quand vous prenez un but de merde, vous perdez 4-1, faut jamais lâcher, toujours y croire. Et justement les potes, si j'ai un conseil à vous donner, c'est que c'est dans ce genre de match là, contre un adversaire bon, voire peut-être meilleur parfois, que vous allez vraiment vous améliorer, à revenir mentalement. C'est vraiment ce genre de match-là qu'il ne faut surtout pas quitter et essayer de revenir au mental. Allez les potes, moi je vous laisse. N'hésite pas à aller voir mon défi de gagner la draft avec 2 buts de retard si tu l'as toujours pas vu. T'as juste à cliquer par ici. Allez, c'est tout pour moi les potes. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Ciao, c'était F5.